Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 6 août, même le vendredi 6 août, c'est la transfiguration du Seigneur. C'est une fête en plein milieu de l'été qui nous rappelle l'extraordinaire aventure de Dieu avec les hommes, comme une étoile qui est apparue dans notre monde pour nous dire à quel point Dieu nous aime. Dieu s'est fait homme pour que notre humanité soit transfigurée par sa divinité. Et c'est le mystère de cette transfiguration sur le mont Tabor qui anticipait déjà la résurrection en annonçant aussi la passion. De quel amour le Seigneur nous a aimés. Alors Matt Maher aujourd'hui il chante la gloire de Dieu justement parce qu'il est venu pour être notre paix, c'est-à-dire pour réconcilier le monde avec Dieu. Réconcilier l'esprit et la chair, ou le corps et l'esprit, réconcilier les enfants avec leur père, et devenir le chemin, la vérité et la vie. Alors je vous invite en ce jour de la transfiguration à renouveler votre grâce du baptême, parce que la vraie transfiguration, la vraie lumière, c'est la grâce de notre baptême. La gloire de Dieu, c'est l'homme, mais c'est l'homme transfiguré, l'homme baptisé, l'homme réconcilié, l'homme surtout vivifié par la vie même de Dieu. Alors avec moi, je vous invite à dire merci pour votre baptême en ce jour. Montez sur la montagne, la montagne intérieure, à défaut d'une montagne réelle, mais allez, je vous invite à sortir, à contempler la transfiguration de la création déjà, la présence de Dieu partout, mais aussi dans votre cœur. Et laissez chanter votre cœur. Le Seigneur nous aime, il est venu habiter parmi nous, il a transfiguré notre monde, il est notre transfiguration, il est notre lumière. Mais il nous a dit aussi d'être nous-mêmes transfigurés, comme ressuscités déjà par avance. Vous êtes le sel du monde, vous êtes la lumière du monde. Bonne fête de la transfiguration à tous! Dieu nous aime. Nous sommes vivants en lui. Amen. Matt Maher, merci pour Glory. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Merci pour la transfiguration, Seigneur. Amen.